La province de l'Itourie est sous état de siège depuis maintenant une année. Le gouvernement vient justement de proroger cette mesure exceptionnelle prise par le chef de l'État pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Mais pour quel résultat? On en parle justement dans ce nouveau numéro. Madame, messieurs, bienvenue. Je reçois pour vous sur ce plateau Lucien Loteni, avocat et secrétaire fédéral chargé de la justice et droits humains à l'UDPS Tshisekedi Ituri, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes cadre de l'UDPS en Ituri, vous êtes justement en mission à Kinshasa. Dites-nous d'abord d'entrée de jeu, à quoi consiste justement cette mission? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir accordé l'opportunité de s'exprimer devant votre micro, de la radio, de la télévision 50 à Kinshasa. L'objet de notre mission dans la ville de Kinshasa, la capitale, c'est la première de discuter avec les autorités du pays sur la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Parce que nous sommes les enfants de l'Ituri, nous vivons là-bas, et nous devons aussi échanger avec les autorités pour qu'ils sachent quelles sont les réalités sécuritaires à Bounia. Parce qu'il y a les politiciens qui sont sur place à Kinshasa, ils ne se déplacent pas pour leurs intérêts égoïstes. Ils passent dans les médias pour raconter des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà la première mission. Et la deuxième mission, c'est que nous sommes venus rencontrer nos autorités du parti parce que nous devons préparer les élections de 2023, les échéances électorales, et nous devons voir comment redynamiser les partis, implanter les partis partout, afin que nous puissions rafler la majorité parlementaire pour que le chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse bien gérer ce pays. Parce que vous savez, nous avons connu un problème suite à des différentes coalitions que nous avons faites avec les autres qui nous ont bloqués. Alors, cette mission va durer combien de temps, justement, à Kinshasa, ici? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je ne saurais pas vous donner avec précision la durée de notre mission. Néanmoins, nous devons rencontrer les autorités pour enfin avoir une précision sur la fin de la mission, parce que vous savez, les autorités du pays ont beaucoup de charges et ils ne peuvent pas seulement arriver, nous ne pouvons pas arriver aujourd'hui et on nous accueille et on doit attendre, raison pour laquelle on ne saura pas vous donner la précision sur notre mission. Alors, la question qui fait la une de l'actualité et qui préoccupe l'opinion qui nous suit et la population congolaise, c'est sur le bilan de l'état de siège. Cette mesure prise par le chef de l'État depuis maintenant une année, qui fait polémique. Vous êtes un ressortissant de l'Ituri, un fils du terroir. Vous connaissez les réalités de la province de l'Ituri. Vous vivez justement cet état de siège. Quel est le bilan de cet état de siège? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question qui fait couler de l'encre et de salive. Ça fait polémique, hein? Ça fait trop de polémique, et surtout pour les politiciens, que moi je qualifie de mauvais augure, qui veulent faire une récupération, en fait, de justifier leur échec qui ont fait la fois passée. Je crois que l'état de siège, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vit la situation de l'Est, c'est-à-dire Nord-Kivu et Ituri, a jugé bon de décréter l'état de siège. Et de là, nous avons connu la présence de son Excellence, monsieur le gouverneur militaire, général Luboya Kachamadjouni, qui est arrivé dès son atterrissage à l'aéroport national de Morongo, de Bounia. Il a dit qu'il va traiter les groupes armés sans état d'âme. Et dès son arrivée, il a essayé de travailler, mais il devrait adapter la situation par rapport aux réalités. Et vous savez, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la réalité que nous vivons en Ituri, ce n'est pas une réalité facile. Pourquoi je dis ça? Parce que la guerre qui se passe en Ituri, c'est une guerre asymétrique. C'est la population elle-même qui s'attaque à ses concitoyens. Et maintenant, le gouverneur militaire, en tant que militaire d'abord, il devrait s'attaquer à ces groupes armés. Et maintenant, pour s'attaquer à ces groupes armés, pour lui, ce n'était pas facile. Pourquoi? Aujourd'hui, vous vous préparez pour aller en guerre, combattre les groupes armés,
et vous arrivez dans un milieu, vous trouvez que les civils. Ces civils, ce sont les enfants et les femmes et des jeunes du milieu. Dès que vous retournez, on tire derrière vous. Et qui tire derrière vous? Ce sont les mêmes personnes que vous avez. S'il faut répondre, que ce sont la population civile. Je vous redonne la parole. S'il faut répondre en termes de positif et négatif, quel est le bilan de l'état de siège dans la province de l'Ituri? Merci beaucoup. Le bilan de l'état de siège, j'ai dit que le bilan est mitigé. Pourquoi mitigé? Parce que, comme je venais de dire tantôt, on avait devant nous une guerre asymétrique. Ce n'était pas une guerre qu'on faisait avec l'armée étrangère. Ce qui a fait qu'au débit, ce n'était pas facile pour le gouverneur militaire. Au fur et à mesure, il a compris, il a changé le style, les méthodes. Aujourd'hui, je vais vous dire que le bilan devient positif. Dans quel sens? Quelles sont les avancées concrètes? Merci beaucoup. En termes de résultats? En termes de résultats, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Parce que nous parlons plus la sécurité, les résultats concrets. Dernièrement, il y avait le chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était à Nairobi pour conclure avec les différents groupes armés locaux qui voudraient bien déposer les armes et en fait d'intégrer PDDRCS et servir la nation comme les fils du milieu. Voilà, à partir de là, son excellence, monsieur le gouverneur militaire lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, lui aussi a changé les méthodes. Il a fait les méthodes d'approche. C'est-à-dire qu'il commence à faire une politique de proximité avec la population. Parce qu'avant, il y avait que l'option de la guerre. Parce que dans l'option de la guerre, on ne peut pas trouver toutes les solutions possibles. C'est pourquoi il a commencé à rencontrer toutes les couches de la population ituriennes. Les notabilités. Ça, c'est pour les mettre en confiance. À confiance, mais quels sont les résultats sur terrain? Les résultats sur terrain, si je peux vous dire concrètement. Aujourd'hui, nous avons l'adhésion massive des différents groupes armés. Nous avons commencé par les Tinyakilima, qui sont venus voir le gouverneur, en fait de signer leur cahier de charge pour les cessez-le-feu. Nous avons connu et les gens n'ont pas cru. Et aujourd'hui, je vous dis que au niveau du Roum, il y a déjà le signe de paix. Nous y arriverons parce que je vais parler même d'un leader de Tinyakilima qui a affirmé son engagement à rendre les armes. Est-ce que Allez-y. Oui. Mais aussi il y a autre groupe armé, les Codeco, qui ont emboîté les pas de leurs frères d'Irumu. Que nous pouvons suivre d'ailleurs dans les images. Oui, de leurs frères d'Irumu. Mmh. Et aussi, ils ont venu déposer leur acte d'engagement. Et nous avons ici, on était ici à Kinshasa avec les leaders de la communauté, l'Hindou, dont le président de cette communauté, c'est aussi mon confrère, maître Céleste Tawara, qui a accompagné cette délégation pour finaliser cette situation. Alors, ce parlant, nous devons vous dire qu'il y a déjà une avancée significative dans ce sens-là. Ma question, c'est que est-ce qu'il y a sincérité dans le chef de cette milice, par exemple, Codeco, qui a accepté de déposer les armes, puisque quelques temps après, on a appris qu'il y a eu, des morts causées par Codeco. Est-ce qu'il y a sincérité dans cet acte posé par Codeco, selon vous? Merci. Reddition, oui, mais est-ce qu'il y a sincérité? Est-ce qu'ils sont sincères? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, d'emblée, je dois vous dire qu'il y a la sincérité. Pourquoi je dis qu'il y a la sincérité? Parce que tous ces groupes armés-là, il n'y avait pas la facilité de les atteindre. Vous savez, ils ont pris même en otage les membres de Task Force, entre autres notre notable Thomas Lubanga et les autres. Il n'y avait pas moyen. Qu'ils ont libéré quelque part. Ils ont libéré quelque part, mais aussi, il faut voir en quel mécanisme ils sont sortis. C'est l'intervention de... Il y a eu négociation. Non, il y avait aussi l'intervention de musclée de son excellence, monsieur le gouverneur militaire, Luboyaka Chamadjoni, qui a intervenu, qui a négocié, qui a fait à ce que ces otages puissent être libérés de la manière dont ils sont sortis, même si ce n'était pas facile pour eux. Dans ce sens-là, nous appelons même nous-mêmes Ituriens. Nous appelons nos frères
que cet engagement soit sincère pour permettre à notre jeune province de l'Ituri d'émerger sur le plat économique et financier. Alors, il y a des sources sécuritaires qui renseignent que certains bastions qui étaient jadis occupés par les ennemis ont été justement détruits par nos forces armées. Bastions de l'ennemi, qu'est-ce que vous pouvez en dire? En tout cas, je vous dis, l'état de siège a permis à ce qu'on puisse démanteler les réseaux. Parce que les réseaux manquaient. Parce que vous savez, il y avait la collaboration même au sein de l'armée avec ces groupes armés. Lorsqu'on a infiltré, le gouverneur militaire a compris qu'il y a un problème et qu'on doit changer les méthodes. C'est comme ça, je vous dis, on a frappé, on a pilonné les différents bastions des groupes armés. Et je vous dis, ce n'est pas facile. Hein. Ils sont morts en cascade. Et maintenant, pour eux, ils font comment? Leur méthode. Lorsqu'on tue les leurs, ils récupèrent les corps, ils découpent, ils mettent dans les sacs, ils cachent pour que vous ne puissiez pas retrouver les cadavres. Mais sinon, je vous affirme qu'il y a un travail de grandes envergures qui est en train d'être fait sur le plat sécuritaire par les gouverneurs militaires, son excellence lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Alors, la population demande aussi que cette mesure exceptionnelle prise par le chef de l'État pour le retour de la paix dans cette province soit requalifiée. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui requalifier l'état de siège? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, moi, je pense que, comme moi, je vous dis, j'ai dit tantôt, les politiciens de mauvaise augure qui cherchent que leurs intérêts égoïstes, ce sont eux qui chantent comme ça. Mais moi, je viens de l'Ituri. Vous vivez là-bas? Je vis en Ituri. J'ai ma famille là-bas. Ma femme, mes enfants sont là, comme je vous dis ici. Donc, vous soutenez le fait que l'état de siège soit prorogé. Je vous dis que la population elle-même, la population itourienne elle-même, réclame à ce que l'état de siège reste. Parce que déjà, avec l'état de siège, il y a un signe de vie. Il y a quand même l'espoir de vivre par rapport au gouvernement civil. Aujourd'hui, si vous dites qu'on puisse changer l'état de siège, et si vous discutez même avec un Wewa, que nous appelons autrement Taximène de Montouabounia, il va vous dire que vous voulez nous créer encore les problèmes. On doit laisser le gouverneur militaire, son excellence, le Luboyaka Chamadjoni. Parce que la manière dont il gère aujourd'hui la province, il y a déjà la paix. Il y a déjà la paix. Bien que ce n'est pas encore en totalité, mais nous tendons vers une paix durable dans la province de l'Itour. Et cela ne viendra pas de lui-même. Il faut que nous Itouriens, nous puissions comprendre que nous devons le soutenir, nous devons apporter notre contribution afin que nous ayons une paix durable. Surtout aux jeunes, que les jeunes ne puissent pas adhérer derrière les politiciens. Vous savez, nos politiciens ont l'habitude de manipuler la jeunesse. Et ils manipulent la jeunesse pour leurs intérêts propres, pour leurs intérêts égoïstes. Et dès qu'il réussit sa mission, il abandonne cette population, cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de croupir dans la misère. C'est pourquoi moi, tant que jeune, moi, tant qu'Itourien, moi, tant que membre du parti au pouvoir, j'appelle la jeunesse itourienne, en particulier, de soutenir les œuvres du chef de l'État, son excellence, monsieur le président de la République, Tshisekedi de Tshilombo, en travers sa représentation, son représentant direct qui est général Luboyaka Chamadjoni dans la province de l'Ituri. Tous les messages de haine qui viendra, tous les messages d'intoxication qui viendra, il faut rejeter, il faut dénoncer. Parce que ceux qui font cette déclaration qu'on doit laisser, on doit faire passer l'état de siège et qu'on doit laisser l'état de siège, ce sont ceux-là qui sont en train de viser leurs intérêts. C'est-à-dire quoi? Après l'état de siège, il faut qu'il y ait les élections. Qu'est-ce que l'état de siège peut avoir comme conséquence en termes de développement? Bon, et vous avez d'ailleurs touché une question très sensible, très importante, disons, pour ne pas parler de sensible. Vous savez, en Ituri, au moins pour tout celui qui n'a jamais été en Ituri, l'état de siège, depuis qu'on a décrété, sur le plan de développement, il y a un changement. Et d'ailleurs, si c'était moi, si ça dépendait que de moi, on devrait même laisser l'état de siège jusqu'à ce qu'on ira aux élections. Le chef de l'État l'a dit même à l'ONU. Voilà. Oui. Pourquoi? À l'époque, oui. Les gouverneurs, nous avons eu les gouverneurs civils, qui sont même les fils du midi, qui n'ont jamais été en mesure de réhabiliter ne fût-ce que les toilettes du gouverneur. Même sarclés tout autour du gouverneur.
il n'y avait que des saletés. Mais avec l'avènement des états de siège, avec l'avènement du gouverneur militaire, Excellence le général Bouakachema Diony, si aujourd'hui vous arrivez à Ituri, vous arrivez au gouvernorat, vous allez voir que c'est un bijou qu'un militaire nous laisse alors qu'on avait les enfants du milieu, les civils, qui n'étaient pas à mesure de nous faire quelque chose. Sur le plan de mairie, on a un maire de la ville, monsieur. Les noms m'échappent un peu. Oui, allez-y rapidement. Le maire de la ville. Le maire policier. Oui. Le maire policier, bien sûr. Mmh. Il a fait un travail impeccable. Si vous entrez à la mairie de Bounia, vous allez vous sentir comme si vous étiez en Europe. Mais on avait un fils du milieu, un autochtone, qui n'était même pas à mesure de créer la toilette là où lui-même pouvait entrer. Alors, je voudrais que vous puissiez me répondre directement. Pour vous, cette mesure de l'état de siège, une mesure exceptionnelle, il faut le dire, prise par le chef de l'État, devrait rester pendant combien de temps? Parce qu'elle continue à faire polémique. Elle continue à faire parler d'elle. Moi, en tant que population itourienne, si ça, comme je dis tantôt, si ça dépendait que de moi, si c'était moi qui prenais les décisions, on allait évoluer avec l'état de siège jusqu'aux élections. Pour préserver les acquis du développement que le gouverneur militaire, le Bouakachema Diony général, et son équipe est en train de faire dans la province d'Ituri. Alors, quel est votre point de vue sur la situation sécuritaire en général dans l'est du pays? On a vu que le gouvernement est en train de faire des efforts sur le plan diplomatique au niveau transfrontalier pour trouver des solutions. Puisque la cité de Bounagana est toujours occupée par le M23. Quel est votre point de vue sur le plan général? Bon, sur le plan général, mon point de vue par rapport à cette question, étant donné que je suis de l'Est, le président de la République est en train de faire un travail très impeccable. Et ce travail, c'est la sécurité. Actuellement, il y a des options pour avoir la sécurité, la paix. Il y a l'option militaire, il y a l'option diplomatique. Le président de la République. Qu'est-ce que vous préconisez entre la guerre et la diplomatie aujourd'hui? Moi, je préconise la diplomatie. Pourquoi? Elle n'a pas montré ses limites comme plusieurs le pensent. Jusqu'à là, je ne peux pas dire que la diplomatie a montré ses limites parce que le chef de l'État est en train de travailler sur cette question. Vous savez, lorsque vous gagnez une guerre par la diplomatie, par la voie diplomatique, c'est très bien parce que vous n'aurez pas les bains de sang. Les dommages collatéraux, etc. Oui. Il n'y en aura pas. Oui. Mais si vous voulez gagner la guerre, par la guerre, et il faut évaluer les conséquences. Vous croyez en un retour total de la paix en Ituri? Je vous dis, en tant qu'un Congolais, un Iturien, je crois à une paix totale à l'est du pays. Et que dans les jours qui viennent... Les investisseurs devraient venir en Ituri tout en étant en confiance. Est-ce qu'il y a-t-il des investisseurs déjà en Ituri? Et d'ailleurs, sur cette question-là, je dois vous répondre que avec l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce pays, il est en train de promouvoir les investisseurs nationaux que les autres appellent locaux ou locales. Mais est-ce que dans cette province, particulièrement en Italie, il y en a, les investisseurs. Il y en a, ils sont là, ils arrivent chaque jour. Qui travaillent normalement et oui. Qui payent les taxes sans craindre oui. Quoi que ce soit. Oui, ils sont là. Ils sont là, ils sont en train de travailler, ils sont en train de payer les taxes. Et d'ailleurs... Ils n'ont pas peur de l'insécurité. Ils n'ont pas peur de l'insécurité. D'ailleurs, par exemple, un jeune entrepreneur qui a travaillé sur la route Bounia-Mahagi. C'est un entrepreneur, c'est un partenaire privilégié de notre pays. Qu'en est-il de la récente attaque ADF à Boga? Quelles sont les dispositions sécuritaires qui ont été prises par nos forces armées pour empêcher une prochaine attaque? Les dispositions qui sont prises par rapport à la dynamisme de notre armée, les militaires sont déjà là. On a déjà renforcé les militaires dans le milieu et qui sont en train de faire les patrouilles diurnes et nocturnes
pour empêcher ce que ces petits bandits-là puissent encore entrer, en fait, d'endeuiller notre population de Boga et dans le territoire d'Irumu. Voilà qui met fin à cette émission. Merci, Maître Lucien Loteni, avocat et secrétaire fédéral chargé de la justice et droits humains à l'UDPS Tshisekedi en Ituri. Je vous remercie, monsieur. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Dans cette occasion, je salue à Passa et son Excellence, monsieur le gouverneur militaire, lieutenant général Bouakacha Madjoni, et son porte-parole, Gilles Ngongo Tshikoudou, l'homme qui fait trembler les micros. Voilà qui met fin à cette émission, madame, messieurs. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Télé 50.